Allô? Bonsoir ici, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Mettez Aéroba follow, s'il vous plaît. Bipé, attendez, je mets mes Aéroba, hein, parce que le niveau de réception que je suis sur ça, c'est pas la magie. Je ne vous mens pas. C'est la magie. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Allez, je vais sur ça. Moi, j'ai un souci. J'ai un souci. C'est bon. Ensuite, je vais faire mon aéroport. Followers. Attendez. Attendez, je mets mes aéroports followers, pardon. Je n'ai même pas aéroba, rien. Même pas super fan. Un moment, j'avais ce qu'on appelait super fan. Là, je n'ai même plus ça. Je vous assure, je n'ai aucun aéroba. Je suis obligée d'aller écrire tous les noms. Un moment, j'avais super fan. Je pouvais appeler mes super fans. Maintenant, j'ai rien. Aéroba, moi-même. Niveau de signalement, bon maï. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Que c'est aéroba là qui est de mon mieux. J'aurais beaucoup de problèmes de, comment on appelle, c'est grave. Pardon, quand vous entrez, vous mettez Aéroba followers, c'est un peu compliqué. Je vous assure. J'ai mis quelques aérobars que j'ai pu là. Je ne peux pas mettre plus. Je suis super méga signalé. Super méga. Ça m'attarde à les courir, les tout, les tout, les tout. Je ne sais qui là. Parce que c'est grave. Je suis super méga signalé. Super méga. C'est-à-dire que c'est le genre que je ne dois même pas me connecter. J'ai 10 personnes là. Hein. C'est même 3 qu'elle doit avoir. En fourrière. Mais il faut que je parle. Il faut que je parle. Ils ont encore signalé ma page. Donc, on signale sur. C'est-à-dire que c'est comme si tu veux sortir ta tête, on resignale. C'est comme ça. On signale sur le signalement. Ça ne donne plus rien. Je ne sais pas pourquoi vous vous dérangez. Vous n'allez pas nous fermer la bouche. Vous n'allez pas me museler. Oubliez ça. Coucou, comme t'as tout signalé le nerf. Oui, 3 personnes même, c'est beaucoup. Là où je suis 25, là, c'est comme considérer que j'ai 500. Parce que dès que ma tête veut sortir de l'eau, il signale. Il dit sortir comme ça, là. C'est fait même 100. Ils disent que pourquoi elle a 100? Elle va avoir que 2. La sorcellerie que les Camerounais ont mis sur les réseaux, c'est la magie. Il n'y a que les Camerounais. Il n'y a même pas d'autres communautés. Moi, je ne signale pas les gens. Je m'en fous. Je te bloque ou bien je ne te gère pas. Moi, c'est signal. C'est-à-dire que je suis déjà signalé. On me re-signale. Donc, je suis signalé sur signalement. Vraiment, je vous implore de partager le direct, de mettre aéroba follow avant qu'on avance. Parce que je dois parler à la petite fille qu'on appelle croqueuse de diamant. Pour ne pas dire croqueuse de cailloux. Voilà. Oui, bien assise là. Ça ne chauffe pas, maman. Je dis qu'un. Non, franchement, le niveau, ce n'est pas ce qu'on parle. Hein. Là, on devait être 100 présentement, mais on va être peut-être 20. Je vous jure, 20. Et qui vous parlez? C'est la magie. Je suis versée comme la reine d'Angleterre. Oui, bien assise dans mon chez-moi après une journée de travail tranquille, tranquille. Je me la coule douce, voilà. J'ai mis un peu des lunettes de star pour un peu faire ma fraîche pète, là, voilà. Ce week-end, à Montréal, il y a trop d'événements. Il y a mon Libérité. Mon Libérité, c'est dimanche. Mon Libérité, c'est dimanche 13 octobre. Je suis née le dimanche 13 octobre, mon Libérité. Donc, c'est mon Libérité qui arrive, c'est le dimanche 13 octobre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je suis en mode Libérité. C'est-à-dire que je vais faire mon Libérité tant qu'on m'oublie comme ça, là. Voilà. C'est ça.
Le niveau de signalement, c'est la magie. C'est-à-dire que les Camerounais, tu viens, on te dit seulement que vous êtes signalé, votre compte ne va plus faire quoi, quoi, qui a fait quoi. On t'écrit toujours quelque chose. Si il va au tableau de bord, vous allez voir. La page rencontre des problèmes. Nous avons restreint la page, nanana, car c'est une partie de vos activités, semble, nanana, la règle de quoi, quoi, qui a fait. Élan, vous avez compris, non? Élan, non-respect des standards de communauté. Comme si on avait même bougé, on n'est même pas. Je dis que Zuckerberg a d'abord baissé toutes ces choses, associé à ça, vous venez encore signaler. Et je ne peux pas savoir ce qu'on a signalé. Voilà. On ne peut même pas savoir. Faites-le dire. On va d'abord signaler. Voir les options. Il fait l'option opposition. Opposition de ça, n'importe quoi. Je te dis, vous avez fait ceci, vous avez toujours les lâches. Faites des. C'est-à-dire que asseyez-vous, faites ce que vous avez à faire. Produisez, avancez dans vos murs comme bon vous semble, peu importe quoi. Nya, 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 nya. Vous venez de vous signaler. Et là. Vous êtes fatigué, n'ayez même pas honte. C'est-à-dire que votre Zuckerberg là, il n'y a plus rien dedans. Vous comprenez avec quoi? Votre Zuckerberg là, il n'y a plus rien dedans. Ils ont tout baissé dans Zuckerberg. Mais vous croyez que quand vous signalez, vous changez quoi? C'était ABC. Vous allez nous subir. On va vous dire la vérité. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous déposez, on ramasse, on décortique, on recoupe, on remet. Vous avez la malchance que j'ai même plus le temps. Il est fatigué. Ah! Attendez, je suis en train de signer 67. Je suis en train de contester les bêtises. Je vous prie. Attendez, je finis de contester. Je viens avec vous. Il est fatigué. Quel numéro ça?
Attendez. Je suis en train de signaler. Okay. Vous signalez, je le signale. Et là, la monétisation, je vais vous expliquer. C'est que vous ne comprenez pas. Comme ces gens sont bêtes, ils pensent que la monétisation, c'est quelque chose que quand ils signalent, ils vont te couper ta monétisation et puis tu n'auras plus de quoi. Depuis plusieurs mois, que les gens qui ont la monétisation soient honnêtes avec vous, Zuckerberg a changé beaucoup de choses dans son paiement de monétisation. Même si ta page respire, tu as beau faire si, ça, ça ne change rien. Donc, le Japap, avant que la monétisation arrive, sachez que j'étais active ProMax. Donc, que la monétisation soit là, qu'elle ne soit pas là, quand j'ai le temps, je viens faire ce que j'ai à faire. Mais il faut que vous sachiez que je ne vis pas de la monétisation. Que ce soit clair. Quand j'ai dit, je dis, je veux me connecter, je me connecte. Je me suis dit, les gens me disent comment signaler. Je dis, et qui est? Et qui est? C'est quoi? Donc, quand vous entendez là, la monétisation est réduite, divisée par 10. Je vous dis bien divisée par 10 pour tout le monde. Que les vieilles chouettes ne vous manquent pas. Vous comprenez, non? C'est ça même qui les décourage, elles ne font plus rien. Parce qu'elles les faisaient en fonction de la monétisation. Nous, on fait encore. Parce que sans monétisation, seul, j'ai combattu toute l'année de Flore Magina Kenkam sur Facebook. Il n'y a pas monétisation. Monétisation même m'a surpris. Sur le temps même que je combattais, il y avait monétisation. Ce qu'elle fait, l'argent, tu sais, jusqu'à sucer les doigts. Donc, monétisation est arrivée quand j'étais à... J'avais à réussir le combat jusqu'à haut la main. Vous comprenez, non? Donc, vraiment, que les gens ne vous fatiguent pas. Et vos signalements, franchement, moi, je trouve que vous êtes vraiment... C'est-à-dire, vous êtes même bête à la limite. Parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il y en a qui te signalent, mais ils t'ont bloqué. C'est comme s'ils te débloquent, ils te signalent et ils te rebloquent. Je ne sais pas. Attends, je vais aller voir. Il vous signale, il vous débloque, il vous redébloque, il vous... Je te dis, c'est terrible. Ce n'est que les Camerounais, hein, franchement. Ça que ce n'est qu'au Cameroun qu'il y a les pépettes comme ça. Les anti-progressistes, les gens qui ne veulent pas... C'est-à-dire que pour vous, c'est qu'il a publié quelque chose, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Est-ce qu'on vous prie? Merci à tous ceux qui mettent Ayoba pour le follower. Oui. Réduit à un niveau qu'on vous dise la vérité. C'est qu'ils ne veulent pas vous dire. Comme elles vivaient de ça, maintenant elles sont au piment. Je vous dis bien la vérité. Les filles, elles sont au piment tous les jours parce que le 2000, le 1000, le, comme si qu'il y avait, il n'y a plus. Donc là où elles sont là, toutes sont dans les maisons. L'autre est au Bervilliers, l'autre est du côté de Lille ou bien à Toulouse, en train d'écraser le Dongo parce que c'est chaud. Il faut qu'elles vous disent la vérité. Et je dis que c'est la vérité. Voilà. La toile est calmée parce que, je dis que divisé par... C'est comme si, hein, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qu'il est en train de réformer par rapport aux publicités, par rapport à beaucoup de choses. Même quand tu contestes un signalement, il y a un certain nombre de choses que tu remplis. Ce n'est plus comme avant que tu contestes, tu cliques sur deux choses. Non. Nous, voici, on est signalé, on est quand même 60. C'est pour vous dire qu'on pourrait être 200, 300. Les gens ne veulent pas que d'autres avancent, mais il n'y a même rien à manger ici. Allez travailler. Allez à l'étude, apprenez un métier, faites quelque chose, parce qu'il n'y a rien ici. Zuckerberg a divisé ça par 10. Je mens que quelqu'un vient démentir. Maintenant qu'ils ont, déjà je me connectais, j'avais 200. Maintenant qu'ils ont signalé, il y a quand même 65. Donc c'est pour vous dire qu'ils ont seulement coupé 3. Zuckerberg a divisé à 10. Je vous dis ça. Il n'y a personne qui a le chèque qui dépasse le chèque ici. Là. C'est chaud. C'est pour ça que les filles là qui avaient la monétisation de Youpougon, parce que c'est 5 ans leur monétisation. Youpougon. Donc elles sont obligées, c'est-à-dire qu'un goy au comptoir, chinchiné au comptoir, c'est chaud. Même se connecter, même Binda la rêveuse au comptoir, c'est comme ça. Binda encore n'aime même pas la monétisation, mais elle même au comptoir, elles sont au comptoir, tout c'est chaud. Faut que vous dites, vous qui n'avez pas encore atteint ces 20 000 abonnés, quoi là, oui, vous qui n'avez pas encore atteint là, sachez que la monétisation est en train de voir les voilata. Donc les vieilles chouettes qui ne partent pas travailler, qui comptaient sur ça. En tout cas, moi, non, je ne comptais pas, moi, c'est ça. C'est venu nous surprendre. Moi, je n'ai pas créé mon compte pour devenir monétisé. Never. Mon compte était à là. Donc, lui, il est seulement venu. Il nous a donné la cerise sur le gâteau. Vous comprenez, non? On a fini de chop la cerise là. Maintenant, le gâteau est là, lui, mort. Le gâteau est seul. Il n'y a rien sur sa vie. Je reviens. Le gâteau est tué. Il n'y a plus la cerise. Dites ça aux internautes.
Vous allez signaler les choses. Vous pensez qu'on a peur de vous. Vous pensez que vous êtes empêché de parler. Petit tous, moi, je ne signale jamais rien de vos pépettes ni de vos stars. Rien du tout. C'est là où je suis vraiment. C'est-à-dire que je suis au-dessus de la mêlée. Mais signaler, vous faites quoi? Tu peux dire tout ce que tu veux. Ça ne change rien dans ma vie. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Toujours en train de se dire, tu poses ceci, oh, c'est quelque chose qui enfreint la loi, ça enfreint le code. Tu veux d'abord t'asseoir pour parler, pourquoi? Quand tu veux t'asseoir pour parler, tu vois, on va pas signaler, on va pas prendre le coupé pour mettre si c'est bon à nous, si c'est pas bon à nous, on va pas débriefer, on va pas faire le débriefing de ça en termes de cadrant. Vous venez d'abord mettre vos pépettes, vous connectez pour parler vos pépettes là, pourquoi? Vous vous connectez pour parler vos pépettes, on coupe, on met. Vous connaissez combien il y a les pages de Congosal et tout ça, machin, qui mettent là. Moi, je vais me lever vers les signer un Congosal. Pourquoi? Pourquoi je dois signaler un Congosal et toutes les pages là qui sont là dehors, là, de relayer? Il y a même une page sur YouTube qui a mon nom, mais je ne sais pas c'est qui. Pourquoi je dois signaler si une famille se nourrit là-dedans? Hein? Franchement. Regardez-moi les gens. Vous êtes sérieux? Regardez-moi. Moi, hein, je vous dis que même Kacham là, Samantha là, je ne suis pas des dames. Je ne suis pas le genre. C'est-à-dire que la façon que font, c'est ça que vous vous posez toutes les questions que la mère a. Regardez, 53 ans. Même pas dans 4 jours. Dimanche. Oui, bien compté. Ou soit 6 ici là. Même pas ride. Même les rides des sous bavardent tellement. Les rides des sous même ont refusé. Vous comprenez quoi? Franchement. J'ai dit que la monétisation d'Eden Simit, les vieilles chouettes. Elles ont monétisé à Yupougon. Elles ont 30%. Le gars de Yupougon a 30% pour sa poche. Associé à ça, il a encore 30% pour les impôts. D'accord? Voilà. Dites-moi la croqueuse de diamant. C'est elle que je vais parler aujourd'hui. Parce que quand je me promets, ce n'est pas une chose que je vois. Ça vient me chercher. Ça me réveille dans mon sommeil. Et il faut que je parle. Parce que la croqueuse de cailloux là. La croqueuse de cailloux qui est venue ici sur mes temps nous fatiguer. Cette fille-là a entré, si elle n'a pas fait 6 mois, elle avait il y a combien de 1000 d'abonnés, elle a tapé, ça dit qu'elle est au record. Tu sens qu'elle a pris un montant du genre, peut-être 5 millions, 10 millions, un giga ou quelqu'un qui voulait l'élever ou je ne sais pas quoi, a mis un montant en jeu pour qu'elle vienne faire comme si elle partait 10 000, 500 000, 10 000, 20 000, 50 000, partout, croqueuse, elle donnait, ça ressemble au moukouagne, en vrai, ça ressemble au moukouagne, la sortie de l'enfant, là. Nous, tout ce moment, on attendait sur place ce que ça va nous amener. Maintenant, elle est sortie qu'elle a créé où c'est Shaddai. Elle prend le nom de Dieu. Le nom de Dieu, un nom puissant pour mettre sur ses pépettes qu'elle a créé là. Bipez-moi cet enfant-là. Je vais te parler comme une mère. Tu comprends? Je dis que ça ressemble au moukouagne, l'affaire de l'enfant, c'est qu'elle est sortie ici sur les réseaux. Moi, je vais parler sur une influenceuse, ma voix porte, ça arrive jusqu'à la présidence. Vous comprenez avec quoi? C'est-à-dire que les gens me suivent, ils disent, mais la main ici, je parle, je ne suis pas en train de la clasher, je suis en train de dire la vérité. Celui qui n'est pas content, il se désabonne. Ou il va lui dire que, oh, ça, ça, et puis son âme, aussi, elle a une âme, celle aussi, les mouches comme moi, là, qui viennent monter sur moi, dis donc. Un enfant qui distribuait 10 000, 5 000, lançait le commerce, marchait partout, faisait comme elle était un demi, je sais même pas, c'était comme une reine des anges. Or, ça ressemblait tellement au moukouagne. Surtout qu'il fallait de l'argent à minuit. Elle est passée à la télévision de Vision 4 qui m'avait insulté quand elle était passée à la télévision, quand elle était passée à l'aéroport. Vision 4 qui m'avait lavé au Cameroun comme ça. Là. Elle est passée à la télé, elle n'était même pas capable de s'exprimer, de dire d'où vient sa richesse. Mon père, des fois je suis fâché avec ma mère, des fois. C'était un genre. Oui. Que les mouches d'Ongoï lui envoient le direct et que si elle a le cran, elle vient me répondre. Je suis sa mère en partant. Donc, elle peut l'accoucher. Elle parle comme une mère qui parle à un enfant. Je lui tape sur les doigts. Et dessus, des personnes là-dessus. Allons-en-y. Affixement, Aline. Oulou, maman. Oulou, cher monsieur. La croqueuse de cailloux apparue ici, là. Nous avons tous vu ça. Je reste souvent, elle regarde l'enfant. Elle dit que, mais c'est pas possible. À un moment, elle est partie. Où ça, la canne. Elle était beaucoup avec la star que j'aime beaucoup, là. L'artiste, là, que j'aime beaucoup, là. Oh, elle était souvent avec les. Oh. Comment on l'appelle? Elle a même fait un peu de sketch avec elle, mais ça ne donne pas la... Oh, elle a aussi mon âge même. Elle a la cinquantaine. L'autre là s'appelle comment même? Oh, la fille là. Elle est même naturelle, belle comme ça. Tu peux même pas imaginer qu'elle a l'âge là. Oh, le nom est parti. Elle appelle même maman, elle a fait les sketchs un peu avec elle, ça ne donnait même pas là. Parce qu'il y a des choses que quelqu'un fait, ça ne donne pas là. Tonga, merci Kanta, tu connais. Avec Tonga, voilà.
Ton gars, tu es comme la mère de Croqueuse, il faut que tu parles à Croqueuse. Moi, je n'aime pas les choses qu'elle est en train de faire là. Je vais m'expliquer. Oui, je vais m'expliquer. L'enfant, depuis un certain temps, je me promène. Vous savez que quand on a cliqué dans un mur, quand on a les pages, ça nous ramène ce qu'on a cliqué récemment. Et si on reclique encore dedans, on reste avec, ça fait notre fil d'actualité. Si je vous montre mon fil d'actualité, c'est important que je vous montre. Pour que vous voyez le genre de choses que je suis. Je ne suis pas trop certains jambes parce que je n'ai pas le temps de cliquer là-bas. Donc, mon fil d'actualité ressemble à ça. Vous voyez, non? C'est des choses comme ça. Vous voyez, non? Il n'y a pas trop de Congo, ça, de ceci. C'est le cas, il y a beaucoup de théâtre, beaucoup de sketch, beaucoup de sketch, beaucoup de... Il y a même les gens comme les Bendeka, les choses comme ça. Je suis dans beaucoup de choses, tu vois, non? Mais voici moi-même qui me vois que les pleureuses m'aient partagé. Merci à femme pour le partage. Donc, partagez mon... Je suis signalée jusqu'à le feu sort. Mon fil d'actualité, c'est des choses comme ça. Je vois Sandra TV, je vois Donald Trump, mon père. Voilà, mon père. Vous voyez, Fatame, partage d'abord mon père. Voilà, vous voyez, non, je ne peux pas God bless America. Voilà, je vois les choses comme ça. Mon fils d'actualité, c'est, you know, on est très avancé. Vous comprenez, non? Je ne suis pas dans les choses. Mm-hmm. Mais la petite fille, là, elle a fait des choses et puis je me suis trouvée un peu dans ces choses. Ok? Mais je vais donner les news d'Alexandre après. Non, je ne peux pas l'ignorer parce que ce qu'elle fait, c'est comme un crime. Ça me fait peur. Je dois parler parce qu'une femme bio, naturelle, économiquement belle, qui a mis au monde des filles, voilà, des filles, j'ai deux adorables princesses, voilà, et je suis mère de beaucoup de filles sur Facebook, un peu partout. Je vois une jeune fille qui peut être l'égale de mon enfant parce que Croqueuse, elle est jeune. Cette petite Croqueuse de cailloux. Elle est jeune, la Croqueuse de cailloux. Mais elle est en train de vendre une huile. Parce que nous sommes là sur les réseaux, nous regardons toutes les choses, on fait comme si on ne voit pas. Est-ce que 10 000, 5 000, où c'est l'huile de quoi? Où c'est l'huile de, je ne sais pas, la cidre d'abeille? Où c'est l'huile de bois? Où c'est l'huile de quoi? De célépan, de, je ne sais pas, là, de l'anus de porc? M'relenchon, kaklenla, kagra de porc, là. Alors, nous, Facebook, que sont là. Mais là, écoutez, oh, parce que vous voyez tout, fait comme si vous n'avez pas vu. Et c'est comme ça que c'est parti, parce qu'on dit que c'est les réseaux, tout se pose dessus. Sachez censurer et parler quand le besoin se fait sentir. Maintenant que ton lasalin soigne dans ta peau de là, la fille a loupé lui, je suis restée 15 minutes de ma vie. J'ai perdu 15 minutes de ma vie pour suivre cet enfant. Je dis, j'ai perdu 15 minutes de ma vie, Mambo, pour suivre cet enfant. Vous comprenez quoi? Parce que le temps est, c'est-à-dire que l'huile de laboratoire, caca, elle nous sort une huile. Elle dit que l'huile l'a fait pousser les fesses. Où elle est ce matin, elle est partie faire les bébés, elle. Ses fesses sont devenues ronds, un genre. Elle dit que l'huile fait pousser et les seins et les fesses. Elle a mis le waist trainer, là. Le waist trainer au ventre, que les corsets, ça coûte cher, c'est 30 000. Maman, la fille qui distribue 50 000, 100 000 à tout le monde en route, vend les choses de 10 000 francs. Jusqu'à dire que pour être riche, je suis restée sur la vidéo, j'ai même partagé. Parce que moi, mes choses, quand ça vient, on va dire que je suis en train de cacher. On dit toujours la vérité, je ne mens pas. Moi, je dis comme t'as toujours, la petite fille là, elle s'est mise, j'ai perdu 15 minutes de ma vie. Je suis restée dire que je regarde quoi comme ça. J'ai partagé. J'ai dit mince. Elle a une huile depuis quelques jours. Lorsque je l'ai mis les champs pour choc, les gens ont dit que oh, les commentaires alors, les commentaires. Et puis elle répond à tous les commentaires. On dirait qu'elle veut devenir une faiseuse de direct, la milliardaire croqueuse de diamants qui est devenue croqueuse de caillasses. Parce que même le caillou, même le goût de caillasses, le sable. Hein, tu choques sans ça. Arrête ta moneta. C'est ce qu'elle est devenue. Maman, la fille a une huile. Vous êtes là les personnes mûres de mes réseaux. Les influenceuses bracata. Eh oui, c'est sûr que vous êtes sur vos comptoirs de piment. Bon. Moi, j'ai une question. Vous comprenez? Les enfants, nos enfants. On m'a dit que oui, l'éducation des enfants sont pas sur les eaux. Arrêtez-moi vos conneries. Pendant longtemps, ok, on faisait des photos, des selfies. Après, on a fait ce qu'on appelle la sensibilisation. On a demandé aux jeunes, ne mettez pas vos choses publiques sur les réseaux sont dangereux. Les jeunes se sont rétractés, les jeunes ne font plus. Il n'y a plus trop de jeunes qui font les selfies, les photos. Donc, comme vous dites, trop de sensibilisation tue la sensibilisation. Ça, c'est une chose qui est arrivée. Les jeunes, maintenant, quand tu vois un jeune, si c'est ado, jeune là, quand tu fais photo, il casse sa tête comme ça. On a beaucoup de jeunes qui font ça.
Hein? Assis ici sur Meta. Vous voulez vendre tout et n'importe quoi. On a dit que profitez de Facebook pour faire votre commerce. Zuckerberg lui-même est venu dans son propre réseau. Il a mis un moteur dedans. Il a arrangé ça tel que n'importe qui peut manger 5 francs dedans. Zuckerberg lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est levé avec son intelligence. Il a mis quelque chose et il a même mis l'intelligence artificielle sur ça. Donc ça veut dire que même ce que tu ne connais pas, si tu demandes l'intelligence artificielle, te montre tout ce que tu dois faire pour faire ce que tu veux faire. Mais comme chacun doit prendre la boîte de n'importe quoi, la boîte de plastique qu'on a mis les condiments, c'est-à-dire qu'on a mis le pépé, les gens sans dedans, que les femmes ont fini de vendre à Mokolo. Mettre le chef, ou c'est l'huile de boa, ou c'est la bave d'anus de tortue, donc ça nous pune mis, que ça nous pune mis des heures et des heures. Vous dites, mais ça fait gonfler les seins. Et que sa main là, depuis qu'elle nous parle, ça fait 40 minutes que quand ça prend sur ta main, ça gonfle. J'ai observé la vidéo, j'ai même capturé, j'ai raccourci, j'ai dit que je vais zoomer pour voir si ça m'a grossi les 15 minutes de ma vie que j'ai perdu. Rien n'a changé. Ma chérie, je demande, hein, tout l'argent du Moukouagne que tu as partagé aux gens là, ils veulent dire, parce qu'à un moment, on a dit que ta maison a brûlé, mon bébé. J'ai dit que yé. La maison de l'enfant s'est abrutie. Comment j'ai vu les commentaires. Parce que moi, j'aime aussi lire les commentaires. Papa, il n'y a pas de problème. Je vois trop les pages des gens qui n'ont pas rapport avec le bracata. J'essaye de sortir des chantiers battus. J'essaye de, you know, mais quand je vois des trucs, je dois parler. Je ne peux plus me taire. D'accord? Ou tu vends un cycliste ou c'est un collant. Qu'on m'a fait ça, ajoute les fesses. Une fois, tu étais monté sur un lit. Un lit, tu allais même tomber. J'ai dit que ma fille, j'ai dit que tu passes dans mon fil d'actualité. Ce n'est pas moi qui fais. Comme je dis, ceux qui sont sélectionnés pour passer dans mon fil d'actualité, ça arrive que je vous partage. Ça arrive, parce que vous êtes dans mon fil d'actualité. Le collant, elle marchait sur le lit était où c'est qui a centré son cadre de caméra. Prenez même un angle pour vous filmer. Parce que faire les directs, si c'est facile, maman. Comme dit toujours mon mari, s'asseoir, babader comme ça, c'est facile. Et ma milliardaire, pardon, mets les étoiles avant de partir. On m'a signalé, je suis en bas, ça dit qu'en bas de Cocody, en bas de la rivière de Cocody. Ça dit qu'on m'a signalé, re-signalé. Je suis en bas, derrière Baranté. Je suis en 4-3. Je suis au quartier 4-3, où j'étais déjà placé à Yaoundé. On m'a ramené en 4-3. Maman, étoile, quand elle est là, quand t'as monté, frotter carte bleue. Même si c'est comment, où tu es en train de conduire, dès que tu gares, il y a étoile. Mais pour signaler tellement que là où tu me vois là, je pourrais y avoir 400 personnes que je suis assise ici. Je n'ai que 60 parce qu'ils ont signalé, c'est-à-dire que. Bonsoir ma chérie Brigitte. Ma milliardaire, je te salue, je t'aime comme le poème La Salité à Foucault. Mettez aéroba, merci Rose. Rose, elle va mettre beaucoup d'aéroba. Je vous dis que signaler jusqu'aux eaux. Je dis qu'on m'a signalé, je suis rentré à Foucault. L'éboulement de terrain m'a pris, je suis sous le terrain. Là où il y a la terre, là où j'attends le litchi de Ngoye pour sortir de Foucault. Bah, il dit que Ngoye doit faire le litchi pour demander qu'on cotise parce que Foucault a eu éboulement de terrain. Je suis rendu à Foucault. Je suis en bas du caillou à Foucault. Ressignaler ce signalement. Je ne peux même pas sortir. Comme tu vois là, ma chérie. Parce que tu ne dois pas parler. Tu vois les choses, tu dois te taire. Par rapport à quoi? On a peur de vous. Si Dieu nous a mis à la brèche afin que d'autres obtiennent, n'est-ce pas, le salut, la délivrance, la guérison, pourquoi on ne doit pas parler? La petite fille croqueuse de sable de caillasse là, elle est ma chérie, même les ongles, même les poses ongles de mon bébé, où c'est que tu es seulement allergique? Parce que je te dis, il n'y a pas de finesse dans ton truc. Il n'y a pas de finesse, ma fille, il faut qu'on te dise la vérité. Je sais pas si les autres, les vrais gens d'en haut là-bas de 237 te voient, mon finesse que tu sais pas, maman, tu sais. Que maintenant, qui est pour moi, c'est-à-dire que même poser même les faux ongles là, il y a tout. Au Cameroun, il y a même pour 5 000. On met pour 5 000, c'est tout joli. Moi, il y a vu des gens partir au marché, un couloulou, mettre les ongles à 5 000. C'est un dollar comme si tu étais parti au truc où je passe souvent à Bastos là. Oui, madame. À Bastos, tu payes presque 50 000, 40 000 pour faire les ongles. Tu pars en couloulou, tu as la même chose. Il y a un autre endroit à Bonabé, c'est 10 000. Maman, chérie. Maman, t'as fait un fond de Foucault. Niveau de signalement, pas si mac. C'est-à-dire, comme on est 60, on va descendre même à 10. C'est-à-dire qu'ils sont sur ça. Ma tête ne doit plus apparaître sur les réseaux. La petite fille avait un français. Allez, Mindou, ma chérie, tout l'argent que tu as recruté, les communicateurs pour parler de tes pépettes là. Même si elle parle, je vais parler aussi. Parce que c'est pas possible. Elle dit que ça s'appelle Shaddai. Nos huiles. Mais tu vois, oh, comme ça. Si je mets la vidéo sur moi-même scène, vous allez dire que stop. Ce n'est pas le clash, hein. Mais c'est qu'il faut un peu arrêter. Vous commencez à faire tout et n'importe quoi.
Mais lui, là, alors, si ça gonfle, parce que j'ai regardé sa main 15 minutes, là, qu'on utilise pour son... Elle a fait ça peut-être. J'ai regardé le temps que le direct avait lieu. J'ai regardé un peu. Après le direct, j'ai un peu zoomé, voir de où elle a commencé avec lui, là, avec. J'ai vu de temps qu'elle a fait. Mais elle a mis lui longtemps. Jusqu'à la fin de saison, ils n'ont pas gonflé. Mais elle dit, avec sa bouche. Mais pourquoi vous faites des publicités mensongères? Vous avez notre peau. Vous êtes des noirs. Vous venez salir la communication comme ça. Quand c'est comme ça, tu cherches les vrais communicateurs qui vont être capables de parler. Elle dit que quand on touche beaucoup, la main gonfle. L'autre jour, elle a mis. Aujourd'hui, elle a mis. Sa main n'a toujours pas gonflé. Dans ce cas, pourquoi tu dis aussi aux filles que mettez pour vos lèvres celles qui aiment le botox? Parce qu'elle est envoyée comme ça. Bougoubou, on gonfle vos lèvres. Nous, on va micro-chanter. Bonjour, non. Il faut aussi leur dire ça. Voilà. Celles qui ont les maigres corps comme os de Christian Cambo. Alors, non, ce nommé, on a un peu la moutre. Oui, madame. Il faut leur conseiller. Non, moi, je n'apprécie pas ce truc, ma fille. Tu es venue ici, tu distribuais l'argent. Il fallait utiliser ton argent pour sortir une compagnie décente. Il y a tellement de choses à faire en Afrique. Là, fais même les condiments. Fais les condiments. Tu es obligé d'aller sur le corps de la femme. Hein? J'ai dit, tu es obligé d'aller sur le corps de la femme, ma fille. Elle a un cycliste, quand on met les fesses, gonfle. Bon, nous, comme ça, on n'a même pas les fesses. Peut-être si on achète ça, même mon mari va dire que c'est encore quoi là-bas. Non, madame. Parce qu'on n'a pas les fesses, on est terriblement mariés. On va sonner nos 20 ans. Oui madame, terriblement mariée. Voilà, donc elle a le cycliste. Maintenant, il y a une huile, c'est dans un pot. La fille a coincé ça sur un type là. Aujourd'hui, elle a mis un habit vert sur l'habit et sur les fesses. Hier, c'était un habit noir. Elle met l'huile sur les fesses. Elle dit que je ne fais que mettre l'huile ici là. Je me oint. Je ne fais que ça me oindre. Je me oint, je me oint. Je vous dis, maman, hey, maman, elle est bon que oh. Donc, elle dit le prix de l'huile. Quand je vois le prix de l'huile, mon cœur, je dis que je crois qu'elle veut bientôt quitter les réseaux parce que c'est comme ça va même me détruire. Ça va me détruire parce qu'il y a des choses que je ne tolère pas en fait. Quand je commence à voir mon cœur, quand elle dit que c'est combien, je dis que c'est pour faire des commentaires ou c'est pour payer parce que franchement, mes enfants, mes femmes, aimez-vous telles que vous êtes. C'est les poids qu'on vous vend comme ça. Jusqu'à... Les autres boivent même. Quelqu'un a demandé là-bas, est-ce qu'on peut boire? Si on boit, ça fait comment? Yoï! Elle est là, on insulte. Toi, tu parles quoi? Tu parles? Je parle français. Tu crois que c'est facile de parler? Elle aurait fait après. Tu crois que ça? Tu dis, ah bah, il nous mêle. L'enfant veut devenir oratrice. Ma chérie, il y a des gens qui ne l'ont pas. Mieux tu te promènes, tu donnes Jijimi. Si Jijimi n'est plus, donne 200. Parce que même 200 au pays, il y a des gens qui ont besoin de 200. Ou une carte une fois de 200. Ou 500. Oui, baisse le niveau. Donne 500. Oui, c'est comme ça. La crème là, mes internautes, c'est un pot. La fille là ne fait que oindre sur elle depuis qu'elle parle là. Elle dit que ça fait gonfler. Sa main est restée la même chose. Elle dit que même la main, comme elle touche la main, va gonfler. Mais c'est inquiétant. Bonjour le cancer. C'est inquiétant, mes internautes. Et vous voyez tout ça, vous ne parlez pas. Hein? Les laboratoires, les produits bizarres, ça fuse de partout. Personne ne parle. C'est comme si on la laisse parler. Mais vous voyez le nombre de gens qui commentent là-bas? Oui, madame. Ils sont là en train de commenter sur le produit. Vous savez combien de personnes sont là en train de commenter? Si votre frère, votre soeur, votre famille, quelqu'un se retrouve là-bas à aller prendre ces produits et que ça lui donne une complication de santé et que vous n'avez rien dit, comment allez-vous vous sentir? Alors, tu dis que oui, tu clashes. Non, ce n'est pas le clash. Ce n'est pas le clash, c'est l'heure juste et la vérité. Il faut dire la vérité. On en a marre. On en a marre. Je dis, j'étais dépassée. Je regarde, je dis, mais attends. Je suis quittée. Elle a bouffé 15 minutes de ma vie. Moi, je suis re-signalée sur signalement. Donc, ça là, ce n'est pas le nombre de gens qui devaient. On devait être 250. C'est notre nombre maintenant. Mais ils ont dit qu'elle se vante bien. On la ramène en fourrière. Je suis derrière Foucault, là où il y a l'éboulement des terrains. Là-bas, même mon Facebook est placé. C'est là même je suis là. Vous comprenez, non? J'attends l'ITI pour qu'on vienne faire les travaux. Quelques cailloux qu'on va m'élever sortir. D'accord? Donc, dites en oui. Lancer le Vichy. Aura. Pour qu'on relance le village au Fokwe. Non, mais allô, quoi. Non, mais franchement, il y en a marre. Bon, moi, j'ai porté la vie noire, hein, parce que nous, on est en deuil. La petite fille qui est décédée à Trois-Rivières, là. J'ai vu la vidéo de sa mère, j'étais vraiment... J'ai vu ça une nuit avant de dormir. Ça dit que la veille qu'on a trouvé son corps, j'ai vu ça tard dans la nuit. Et vraiment, oui, une pensée pour les victimes de Fokwe. Oui, une pensée pour eux. Les victimes de Samilma.
Oui, j'ai une coupure de Black Beauty qui disait que zéro paix. Et j'ai vu que Cathy Chou, on l'appelle comment là? Cathy Chou disait qu'il y a l'accident à Saint-Mesmin. Oui, j'ai entendu ça. Moi, je ne veux pas les images, s'il vous plaît. Épargnez-moi les images. Paix à leur âme. L'accident, ça arrive tout le temps, ça arrive partout. Voilà la jeune fille. Et comment dire, Alexandra, qu'on a trouvée dans les eaux. Dans l'eau. À Trois-Rivières. Portée disparue et puis décédée dans l'eau. C'est fou. Et cette fille, j'ai vu ses vidéos parce que depuis là, je suis beaucoup de choses d'elle. Je vois des trucs qui passent un peu partout. Je vous ai dit que mon réseau, là, je vois seulement les cancas choses. Et elle parlait beaucoup de Dieu, donc c'était une chrétienne. Donc ça, à l'heure, si là, elle est à côté du Père, là-bas au ciel. Là. Ce qui est sûr, c'est ça. Beaucoup, beaucoup de. Oui, à 5 000, beaucoup de moi, on m'a dit ça. Et vraiment, en ce moment, j'ai l'empathie. C'est-à-dire qu'une empathie particulière pour la maman de cette fille. C'est une jeune femme. La maman, elle n'a pas 50 ans. Je pense pas qu'elle est mon égale. Non. Elle n'est pas dans la cinquantaine. Elle doit être dans la quarantaine, genre. Elle est jeune, elle est belle, sa maman. Un coup comme ça, sa fille unique. Vous savez comment? C'est ça, je ne sais pas qui me demandait l'autre jour, mais maman, pourquoi, c'est petite Loulou, pourquoi elle n'a pas fait des enfants? Je dis, ben, les enfants, quand on les fait, c'est Dieu qui donne. Elle dit, non, c'est dans, tu sais, ils sont grands, elle a 15 ans, elle connaît déjà un rapport sexuel. Je dis, non, pas toujours, ma chérie. Elle a une fille unique. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'enfanter. Parce que Dieu n'a pas voulu. C'est parce qu'elles n'ont pas fait les actes qu'on fait pour enfanter, mais c'est que ça n'a pas donné. Alors Dieu lui fait grâce d'un enfant. Elle en prend soin comme il se doit. Elle paye tout ce qu'il faut. Vous savez comment ça coûte cher. La croqueuse de diamants, là, qui est devenue croqueuse de cailloux et de sable, c'est elle. Vous avez vu les produits qu'elle commence à montrer là. Vous voyez ça, vous vous taisez. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Demain, quand quelqu'un va sortir ici, comme la petite Beko est sortie avec le lait de l'autre qu'on dit là, c'est teint parfait, bah, que le teint imparfait et tout ça là. Vous allez vous lever que, oh, la pommade là, ça a fait ci, ça a fait ça. C'est elle. Elle a eu à 17 ans, merci. Je vous ai dit que cette femme n'a pas 50 ans. Vous voyez? Elle a eu à 17 ans, sa fille avait 21 ans. Donc on a dit ça, on n'est même pas quoi à 50. Je vous ai dit. Elle est dans la quarantaine là. Une très belle femme. Au jour d'aujourd'hui, Dieu lui a arraché tout ce qu'elle avait de cher. Vous savez, nos enfants sont nos raisons de vivre. Sont nos gros, ça dit que nos grandes raisons de vivre, surtout nous les Africains, parce que nous encore, au niveau de, ça dit que la famille, les valeurs familiales, c'est un niveau pas possible. Alors, une mère comme ça, qui rassemble tout l'argent que ça prend pour envoyer sa fille étudier, payer une chambre dans un colloque et tout, payer l'université et tout ce qui s'accompagne en tant qu'étudiante étrangère, il faut le faire. Mes prières sont vraiment pour cette femme-là. J'espère, parce qu'elle a dit qu'elle devait se tuer. Tu sais, la parole. J'espère qu'autour d'elle, il y a vraiment des personnes qui vont aider. Le pape de Saint-Quentin de Trois-Rivières, je ne connais pas, chérie, parce que justement, je n'ai jamais été à Trois-Rivières, d'accord? Ici au Québec, au Canada, c'est un pays sécu, c'est un pays où coule le lait et le miel. Quand les drames comme ça arrivent, c'est vraiment inquiétant. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont. Attendez. Non, non, tu vas te laver. Je ne peux pas, je vais vérifier toi. Hein, je tôt aujourd'hui pour aller demain. Parce que tout à l'heure, dans le verre, c'est bon. Ah oui, ok, c'est ça. Je vérifie tout.
excusez-moi. Excusez-moi, je suis avec ma fille ici, je dois... Les parents, non, vous avez des devoirs. Il faut qu'elle finisse tout, je vérifie tout. Elle va se préparer. Sinon, l'enfant peut venir te dire qu'elle a fini et tu n'as pas vérifié. C'est très important. Donc, attendez, excusez-moi. Donc, comme je dis... Comme je disais tantôt, les choses, le Canada, c'est un pays sécuritaire. Je vais toujours dire ça. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je vais toujours dire ça. Mais ce qui s'est passé pour le décès de cette fille, vraiment que justice soit faite, c'est tout ce que je peux dire. Parce que les enfants arrivent ici et ont des fréquentations ou des actions sont devenues... Parce qu'ici, à 20, 19 ans, 20 ans, 30, ils sont adultes. Ils sont adultes, ils font leurs choses, on les fait confiance. Il y a la, je pense que sa mère lui faisait assez confiance. Il ne faut pas qu'elle culpabilise. Il ne faut pas qu'elle se dise que, oh, j'ai envoyé l'enfant, pourquoi? Parce que les gens disent que, oui, il fallait envoyer chez quelqu'un, il fallait... Non, il y a d'autres enfants qui vont étudier ailleurs et sont matures et font des choses. C'est seulement que quand on dit que le baloc, quand ça va t'arriver, ça va t'arriver. Je crois que c'est ce qui est arrivé à cette fille. Ce n'est pas une affaire que, oh, parce que les autres commençaient à commenter, oh, pourquoi elle a envoyé, il fallait qu'elle envoie chez une tante, chez un oncle. Pas toujours, pas toujours. C'est comme on dit, peut-être c'était aussi le destin de cet enfant. Cet enfant faisait déjà des prières, elle conseillait les gens pour dire aux gens, voilà, faites attention, comment je vais dire, faites attention, le salut, elle parlait des trucs de la mort, de, donc elle avait des conseils. Donc c'est une enfant qui a une vie spirituelle vraiment enrichie. Ok, et les gens qui faisaient tout pour que l'enfant vienne au Canada, c'est bon. Moi, je peux pas, tu sais, moi, je peux pas dire. Tu vous savez qu'en Afrique, on dit toujours, on ne meurt pas, on meurt toujours pour quelque chose. Chez nous, c'est comme ça. La disparition et la mort subite, et puis le corps qu'on a trouvé, il y a une histoire. Moi, je préfère que les autorités compétentes s'en chargent et puis donnent le verdict, par exemple. Mais les choses qu'on va dire que, oh, ceux qui ont dit qu'elles viennent, c'est eux qui ont tout bien, qu'on va dire qu'on a fait la magie. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je sais que personne, nul ne s'en sortira vivant de cette vie. Nous sommes, c'est-à-dire que quand nous venons sur terre, la mort nous met sur liste d'attente. Donc, chacun est un rang. Ok? Donc, il y a eu plusieurs disparitions dans ce parc. Ça se peut. Ça se peut. Je ne sais pas si elle allait prendre une marche. Je sais, on ne peut pas. Moi, je vais dire, quand je n'ai pas d'éléments, je ne peux pas me prononcer. Moi, je parle maintenant pour la maman qui est vivante, qui a déclaré qu'elle, si elle meurt, elle se tue. Je me dis l'entourage qui va être avec la maman. Je me dis que le Saint-Esprit visite la maman. Que Dieu, celui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui a l'avant comme le bouclier, à l'arrière comme le protecteur tous les jours de nos vies, qu'il aille vraiment, je ne sais pas, qui habite en cette femme, qu'il se manifeste et agit en ce moment dans la vie de cette maman. Parce que, vous savez, en Afrique, chez nous, quand les choses arrivent, vous voyez, soit quelqu'un dit, « Oh, depuis que son mari est mort, il est devenu folle. Ma fille est partie en Russie à 18 ans pour les études et avait pas la famille là-bas. » Voilà. C'est pour ça que moi je dis, ceux qui... Parce que dès que quelque chose arrive, les gens sont souvent dans la banalisation que, oh, oh, machin, on commence à dramatiser, oh, pourquoi tu l'envoies seule, elle a 21 ans. Non, il n'y a jamais d'âge. Si Dieu, si la feuille de route de cet enfant était qu'elle quitte la terre à cet âge-là, à ce pays-là, c'était une bonne chose. J'ai vu qu'on a lancé un litchi pour aider, peut-être pour rapatrier son corps. Ça, c'est des choses qu'on peut se mobiliser. Chacun met un montant pour aider, pour que, peut-être elle n'avait pas d'assurance, c'était une étudiante étrangère. Donc, il faut aider à rapatrier le corps. C'est des choses, si je vois le lien, si quelqu'un voit le lien, il m'envoie, ou bien il me tague, moi je vais partager, pour qu'on essaye de se mobiliser, pour que la mère voie la dépouille de sa fille. Parce que je ne crois pas que la mère vivait au Canada. Non, la mère n'était pas ici. La mère était soit en Afrique, soit en Europe. Mais ça a l'air d'une maman, tu vois, qui est dans ses affaires, une façon à l'aise. Parce que les études au Canada, ça coûte cher. Tu payes l'étude étrangère à ton enfant. Ça dit que tu as un peu. Tu vois un peu, tu as un peu. Donc, voilà. Et vraiment, il faut faire confiance à Dieu. Les enfants que nous avons, notons dans nos esprits que les enfants nous sont prêtés. Nous-mêmes, nous sommes prêtés à ces enfants. C'est notre cœur. Mais si je te dis, touche ton cœur, tu ne peux pas toucher. Tu vas toucher. Tu aimes quelqu'un avec quoi? Avec ton cœur. Ton cœur est où? Tu vas dire ici. Mais si je te dis qu'il a quel aspect? Tu ne peux pas. C'est le dessin qu'on t'a montré à la science. C'est ce que tu vois dans les vidéos partout.
Mais Dieu, il habite dans nos cœurs. Donc Dieu est en toi, il est en moi, il est en nous. Lui, il ne voyait pas comme souvent ses nerfs, on s'agate, s'agate. Mais au fond de nous, on a cet amour, ce Dieu qui est amour. Et nos enfants, on veut que le meilleur pour eux. Parce qu'on projette dans l'avenir. Il n'y a aucun parent qui va envoyer son enfant dans le feu. Si même le feu, on m'a dit, il y a une femme, quelqu'un qui m'a dit qu'elle a vu une vidéo d'une femme qui est en train de tomber sur le conteneur au pays. Et quand le conteneur devait tomber sur elle, qu'est-ce que j'ai dit? Le conteneur qui est en train de tomber sur une femme au pays, elle a projeté son enfant comme ça. Hein? Comment? Attends, quelqu'un dit quoi? Non, Reine Mère, on m'a dit que la maman n'est pas payée le montant qu'on a demandé avant que l'enfant vienne au Canada. C'est ces gens qui ont tué l'enfant. Et qui? Donc, voilà. Disons-nous que je vais sur un réseau de voyage. On me dit que 20 000, 20 millions, ou c'est 20 combien, je n'ai pas honte sur l'enfant. Laissez-les. Moi, je ne déclare pas les choses n'importe comment. Mais déjà au Canada, je t'envoie la vidéo dans WhatsApp. Ah, elle est déjà au Canada, la maman. Un monsieur a pris tout en charge. Bravo, c'est gentil. Peut-être elle a glissé dans l'eau. Hein. Oui, oui, merci, Paisy. Peut-être. Peut-être elle avait pris une marche. Elle a vu, elle allait s'asseoir au bord de l'eau. Elle a vu un truc. Et puis elle a glissé. Mais en fait, il n'y a pas eu trop de pluie ces temps-ci. Peut-être. Moi, je ne sais pas. C'est pour ça que je préfère. Je ne peux, peux pas masturber mon esprit avec ce que je n'ai pas comme élément. Je suis désolée. Je ne suis pas trop TikTok. Donc, je vais aller regarder quoi dans TikTok. C'est ça aussi. Envoie-moi le lien. Pose le lien. Poste le lien ici. Va copier. Tu postes ici. En commentaire, on va voir. Mm-hmm. Poste là le lien en commentaire. Nous, on va voir. Moi, je dis. Ok, la maman est déjà venue. Oh, parfait. Les personnes qui sont à Trois-Rivières, qui sont proches de la maman. Seulement, parce que la maman est une chrétienne aussi, parce que quand tu les entends, tu sens qu'ils ont vraiment le fruit de l'esprit dans leur vie. La petite aussi, je suis sûre qu'elle est au paradis pour ceux qui croient. Et moi, je prie seulement que Dieu vraiment habite dans ce cœur-là. Parce que cette maman, elle est, ça dit qu'on lui a pris, ça dit le ciel lui est tombé dessus. Dieu lui a pris tout ce qu'il lui a donné, en fait. Et se remettre de ça, ce n'est que Dieu qui peut encore réparer ça. Franchement, ceux qui croient, c'est ça. Ceux qui croient, on va dire Dieu là, aka. On comprend. Vous ne croyez pas, mais ceux qui croient, c'est ça. Vous voyez, non? Parce que nous, chez nous, on meurt toujours de quelque chose. On a tué, c'est les autres qui ont tué. C'est comme ça, elle a fait ceci, qui a fait ceci. N'importe quoi. Elle avait des colocataires. Donc, ça veut dire que la personne que la maman devait l'argent lui a tendu le piège pour finir avec elle. Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'avais mis l'alarme pour la fin des devoirs de mademoiselle. Attendez. J'avais mis l'alarme. Vous savez que les enfants, là, c'est pour ça qu'elle est venue chercher, parce qu'elle m'avait dit que ça prenait du temps. Oui, je suis mal au profond. Oui, c'est touchant. C'est touchant, ça fait très, très mal. Aux dernières nouvelles, la police a arrêté un caucasien. C'est lui, le dernier à l'avoir vu. Oui, tous ceux qui l'ont vu vont faire des dépositions. Et maintenant, la police va faire son travail. On ne peut pas... Nous ne pouvons pas travailler à la place de la police, hein, on s'entend. Moi, c'est des débats que je trouve que c'est des débats stériles. On va commencer à spéculer. Nous ne sommes pas des enquêteurs, nous ne sommes pas des coroners, nous sommes rien de tout cela. Nous allons parler de celle qui a envie, qui est la maman. Nous allons parler du rapatriement de la dépouille. On dit que quelqu'un a pris soin de faire tout ça. Amen. Et puis, des choses comme ça. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Et maintenant, sensibiliser les enfants qui viennent étudier, même ceux qui ne viennent pas étudier, ceux qui sont même chez leurs parents. Parce que même ici, chez moi, j'ai une jeune fille qui vient d'avoir 25 ans. Le 6 octobre, ma grande Loulou a eu 25 ans. Mais elle sort, elle a ses choses. Là, là. Tu n'as pas le corps. Elle voyage, elle n'est pas ici, elle fait ceci. Tu ne sais jamais. You never know. You never even know. Just have to say God. Parce que même si ça arrive, que Dieu vienne laver, qu'il vienne sécher tes larmes, qu'il habite seulement là-bas dedans. Parce que là-bas dedans, là, tu n'as plus contrôle. Là-bas dedans, là, tu ne peux pas savoir. Voilà, maman n'a que 38 ans. Je vous ai dit, cette maman-là, elle est jeune. Oh Seigneur, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oh là là, c'est mieux. Hein, quand tu vois que grossesse assiste, comment on dit là, les in vitro, toutes ces affaires-là. Oui, elle va même là-bas en République tchèque où ma fille Coco était partie, je ne sais pas. Mais, comme on dit toujours, Dieu, et non.
tout ce qu'on a nous est prêté. Moi, je suis prêté à toi. Toi, tu es prêté à moi. Toi, follower, tu es prêté. Moi-même, comment je peux dire? Je suis prêté. Nous tous, on est prêté. Le mari est prêté. La femme est prêté. La mère est prêté. Le père est prêté. L'enfant est prêté. Tout est prêté. Même le travail, rien n'est définitif. Tout est vraiment éphémère et vanité. Rien n'est définitif. Je dis rien. On n'a même pas le contrôle. On ne sait même pas de quoi ce soir sera. Comme on est là, sinon, on ne sait même pas si ce soir va finir. On va parler de quoi. Bon, je vous jure, là, moi, le décès de cet enfant, ça m'a sorti vraiment. Attendez, je suis en train d'écrire quelque chose d'important. Ça m'a sorti de mes gants, je vous assure. Sorti de mes gants. J'ai dit, mon Dieu, comment on peut faire dans ce genre de situation? Comment? Oh Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peut consoler. Il n'y a que... Franchement, il n'y a que lui. Parce que tu fais comment? Tu fais comment? Côté pratico-pratique, c'est vol plané. Tu vois le corps de ta fille, tu te couches seulement. Regarde-le, sinon, on part à deux. Aura. Donc, franchement... Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. On n'a pas le choix de croire, on n'a vraiment pas le choix. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. C'est qui ça qui m'appelle là? Un numéro bizarre que je ne connais pas. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il y a des numéros bizarres qui t'appellent, quand tu les rappelles, ils viennent voler tout dans ton téléphone. Hein. Je vous dis, faites attention. Les hackers, les fraudeurs sont dehors, Bomaï. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, pour la consoler. Il n'y a que toi. La marque, c'est Jimmy Show. Jimmy Show. Jimmy Show. C'est ça. Jimmy Show. JC. Jimmy Show. Mais l'autre genre Europe, là. Parce qu'il y a d'autres marques. Il y a l'autre que Jimmy Show écrit gros. Cette écriture est plus petite. Puis c'est écrit CE dedans. Communauté européenne, donc j'ai acheté ça en Europe là-bas. C'est eux, voilà. J'ai acheté ça au petit frais. Attends. Comment on fait pour voir? Je vais m'arrêter, je vais te montrer l'écriture. Je ne sais pas si tu vois l'écriture. Il y a une écriture, c'est whatever. Bref, c'est Jimmy Show. En fait, c'est pas une affaire de lunettes, c'est d'abord la personne. Voyons. La gare est d'abord belle, la gare répond. Elle s'aime d'abord en partant. C'est-à-dire qu'elle se présente telle qu'elle est. C'est-à-dire que tu dis c'est je suis là. Tu dis long manteau, je suis là. Tu dis grosse tête, je suis là. Tu dis, je sais pas moi quoi, là. T'es inachevé, Nami. Pas la vie, c'est correct. Long tout, qu'est-ce qu'il y a à dire encore? Oui, pointu 5 à 6, Nami. On disait encore quoi là même. On m'a donné tellement des injures. On m'a dit que je sais même quoi là. Voilà. Donc je m'assume d'abord. Oh. Ouais, Seigneur, on va faire comment? Assumons-nous vivants. Ou bien? Voilà. Il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.
Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour la consoler. Il n'y a... Je sais que la petite est déjà auprès du Père. Franchement, ceux qui croient là, ne vous inquiétez. Même sa maman ne doit pas s'inquiéter parce que c'est une petite qui était vraiment chrétienne là. C'est-à-dire la petite, elle a parlé. C'était vraiment comme, ok, c'est bon là. Grande dame, je savais que c'était une grande marque. Pas dans la dentelle. Ouais, non. Grande marque. Vous savez que moi, je suis simple, hein, mais c'est Jimmy Show, mais je suis simple, voilà. C'est ce qui me va que je porte. Ouais, non. Voilà. J'aime moi ce qui est bien. Voilà. Quand ça me va, non, ça fait sortir mon gros accops là. Voilà. C'est ce que, bon, j'ai porté, je porte, c'est ça. Mm-hmm. Donc, vous avez dit à croqueuse de sable et de cailloux que vraiment, ma fille, tes produits que tu fais là, j'ai même partagé ça dans mon direct tout à l'heure. Tes produits là, c'est inquiétant. Tes produits qu'elle fait là. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, mon roi. Il n'y a que toi. Pour la consoler, la maman. Il n'y a que toi. Franchement, cette femme, ce n'est que Dieu. Oh, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? On ne peut pas. On peut dire quoi à la maman? Dites-moi un peu. Bon, à part ça, dans le bracata, qu'est-ce qui se passe? Parce que la petite croqueuse de sable n'est pas dans le bracata. Donc, je m'adressais vraiment, parce qu'à cause de ces produits, il faut que je vous montre la vidéo, hein, parce que je ne parle pas, je ne suis pas en train de parler des choses que j'invente. J'ai partagé la vidéo de cet enfant-là aujourd'hui et j'étais un peu mal. Mais c'est quoi ça, là? Les huiles pour ceci, les huiles. On dit que oui, les gens vont regarder et dire qu'ils ne parlent pas parce que c'est ces choses, elle fait pour vendre, on ne va pas. C'est pas pour gâter son commerce, mais c'est que c'est quoi le projet, là? C'est quoi cette huile-là? Hier aussi, voilà pour hier. Peut-être vendre aussi les perruques, hein, parce que c'est ça. Et vendre tout maintenant. Attends. C'est bien. Regarde. Là, il y a les pores, regardez. Voilà. Mes produits marchent. J'ai utilisé ce que vous avez vu. Je prends ma crème, j'applique sur les seins. Après, j'applique sur les hanches. J'applique. Ouais. Et ça pousse. Après, j'applique. Donc, plus besoin de BBL. Regardez. Le lait, la crème BBL. Regardez. Regardez. Tout ça, c'est la crème. Dès que je vais finir le live, ça va aller bien. Ça aussi, c'est la même chose. On a les bouteilles. Ça semble des bouteilles qui sortent du laboratoire Caca Clora. Si c'est venu nous tromper ici, on va avoir croqueuse de diamants. Si j'ai commencé ça, avant de quitter sur le bois, arriver sur les fesses, arriver sur les hanches et arriver sur tout ce qui va avec. Maintenant, je suis un jeu produit pour rondeur, pour avoir les seins, pour augmenter le volume et tout. Très efficace. Mm-hmm. Donc, quand tu te coins, ça crée la graisse qui va faire que tes seins seront. Non, les amis, comme j'étais en train de dire, on ne fait pas la magie. Vous allez m'expliquer, il n'y a pas où je suis, si c'est vraiment sombre. Mais ouais, elles sont. Mais mes femmes parlent pour moi. Mes femmes me parlent pour moi, voyez donc. Certaines personnes ont passé le temps à dire ici que. Je passe mon temps à mettre les fausses fesses sur moi. Je n'ai pas besoin de ça. Hein. Je vous comprends. C'est impossible pour vous de croire que vraiment les produits marchent et tout. Si déjà on peut faire la chirurgie, la chirurgie d'un truc qui marche, pourquoi pas les produits naturels? Ça marche. Vu que les produits naturels. En plus, c'est naturel. La, hein. La chirurgie. À la forme. Ne le passe pas. Tu n'aimes pas. Ça va finir. La bouteille me semble ouais, à. Elle va finir. Un travail à suivre notre fond. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Regardez les bouteilles. Je suis milliardaire, je suis milliardaire. En tout cas, c'est votre produit, pas ce que vous voulez. L'important pour moi, c'est que je vende mes produits. Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à acheter. Ceux qui n'ont pas intéressés n'ont qu'à laisser. Elle est même ivoirienne dans ça. Elles n'ont qu'à acheter, n'ont qu'à laisser. Au bout de 2 semaines, déjà au bout du 2e, en 3e jour, tu auras les résultats. Non, ma chérie, je vais te dire une chose. Ce n'est pas une affaire de petite pisse. Je vois tous ceux qui peuvent être des potentiels acheteurs. Je vois tous ceux qui veulent le raccourci de la vie. Je vois tous ceux. Je préfère encore qu'on vende un cycliste avec les fesses gonflées semblant et qu'on met que ça ressemble les fesses gonflées pour faire l'habillement joli. Je préfère encore. Versus des bouteilles.
Je te jure, si tu captures ça, tu vas voir les bouteilles là, c'est bizarre. Et le nom, c'est Shaddai. Donc Dieu même ne se repose pas. Shaddai. Miracle. Il n'a pas d'ondo. Comme les bouteilles de miel. C'est comme si l'autre, c'est l'acide d'abeille. Non, mais franchement. Et puis, est-ce que dès que tu mets, il y a une autre phrase qui dit que dès que tu mets, pendant que tu touches pour mettre sur toi, tes mains gonflent aussi. Donc, on peut gonfler avec. Elle a qu'à prendre ta avoc chrétienne. Elle lui donne un peu. Elle en gonfle, vous voyez, c'est tout. Et, une omelette. Ça m'a fait un genre. Bon, dans le bracata. Dans le bracata, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous m'informez parce que moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai pas suivies. Moi, je suis très occupée. Hein. Je suis très occupée. Là, je dois aller faire des pommes. Parce que j'ai fait des ribes de porc au souper avec des pommes, des frites de pommes. J'ai tenté de flatter ma louloute. Comme son heure n'avait pas sonné, qu'elle m'épluche les pommes, elle va plus éplucher. Là, elle se lave. Elle va se laver. Elle ne veut pas manger ce que je fais. J'ai eu à faire les, elle veut faire les riz Oncle Buns. Elle ne va pas manger les pommes. Donc, je vais se m'éplucher calmement mes pommes pour mon chéri et moi. Là, et puis voilà. Quoi. Donc, c'est un peu ça. La grande louloute, elle est dans les genres programmes, ce boisson, ceci, elle est dans ces choses, hein, genre, elle n'est pas trop dans nos choses. Programme ceci, programme mise en forme, sport, gym, machin, elle a le style, là, c'est pas quelqu'un qui compte dans mes choses, donc moi, chérie, mon chéri. Voilà. Donc, non, c'est pas parce qu'on est âgé, même un enfant peut venir sur le net, il fait que je lui tape sur les doigts. Moi, je suis en train de taper sur les doigts de l'enfant, c'est pour lui dire que, yeah. Tu es venu ici nous dire que tu es croqueuse de diamants. Tu as l'argent, tu te subis aux gens 10 millions, 10 000, 20 000. Tu étais riche, ton père, ta mère, tu vendais un peu, tu faisais comme ça, ta façon qu'elle nous expliquait. Et puis tu as parlé, jusqu'à ce qu'on est arrivé, qu'on n'a même pas compris, jusqu'à date, on ne connaît même pas ta richesse. Et maintenant, tu dis qu'une huile peut faire gonfler. Monza a lavé, ah, ma Monza, ah là là, Monza c'est zéro père. Voilà une première information. Monza a lavé Ngoï pendant 2 jours. Eh, ma Monza, c'est zéro paix. Monza a dit ça, qu'il n'y a pas de paix sur Meta. C'est comme ça. Vous ignorez quoi. Quand ça pique, Monza, elle monte sur toi. Démarrage en côte. Tu gères sa propre au calme. Tu reçois et ton cœur reste ouvert. Parce que Monza, ça ne finit pas. 2 jours, là, elle n'a pas encore donné 2 jours. D'après, elle va s'arrêter. Ngoï, sache seulement que ça va passer. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'a pas. Versé ici. Versé. Accoucher. Coucher les japapes ici. Hein. Mm-hmm. Coucher. J'espère que ma demoiselle a testé la vidéo. Et se laver d'abord. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Ça, il y a encore quoi? Elle dit qu'elle t'aime beaucoup. Moi, je l'aime. Et Monza, quand Monza me suit, ça me dérange pas. Je vous ai dit ça depuis des années. C'est ma Monza qui quitte ce mois. Bah, allez, allez. Tu dis que quoi? Hein? Je suis quoi du zoo là même? Elle m'a mis quel animal? La chèvre. Ah, et c'est ma veuve comme ça. Tout ça, en fait, au finish, faut qu'on se dise la vérité. Au finish, c'est le mbrakata. Comme nous avons fini par trouver. Une définition au truc, c'est le mbrakata. Donc, quand tu fais ça, même tes gens qui te suivent disent que, mais ma veuve, comment tu es dans les choses, tu dis ça s'appelle le mbrakata. Parce qu'il faut différentes choses. Il faut qu'on. Ça dit qu'il faut faire des concepts. Voilà. Dans un système boycott. Ouais, non. C'est ça, c'est un concept. Ça s'appelle le mbrakata. Voilà. Quand tu te demandes, c'est comment tu peux se le mbrakata. C'est comme ça que ça marche. On est choupé, choupé. On se fight là-bas dedans. Voilà. C'est comme ça. Mm-hmm. Il y a encore quelques japas, pardon, mais accoucher les japas. Oui, Kamtachou, moi j'ai confiance parce que Kamtachou arrive seulement comme le tsunami, il verse tout. Le profil de Kamtachou, c'est un profil qui est. Le profil là verse tout. Oui. Le profil là n'a pas peur, hein. Pas peur qu'on va signaler sa page. Ouais, quel Kamtachou, et Kamtachou, Michelet. Kamtachou, Michelet. Merci des gens qui ont partagé. Oh, attendez, mais mettez les j'aime, tu veux partager. Pardon, partagez s'il vous plaît. C'est chaud. Le signalement et les tailles, pardon, partagez s'il vous plaît, partagez, c'est chaud. Ah oui, je ne sais même pas comment il est fait. On m'a mis en foulée, c'est-à-dire que je suis en bas des les boulements de terrain après la pluie, le vendredi là, à Fokuela, je suis là-bas. Maman, je dis que le niveau de pluie qui est tombé à Fokuela, je suis en bas. Tout comme ben, c'est ma foulée, c'est qu'à Fokuela. En bas, où les terrains sont tombés là. Yako,
aux victimes, aux gens qui ont perdu leur maison. Moi, j'attends que le litchi, qu'on construise ma part aussi. Moi, ma part est là-bas au sol, ma faute. Yosh! Comme toi, tu racontes, viens accoucher ici. J'aime le gars de J'ai partagé. Vous avez vu ça, non? Attendez, je vais vous montrer ça. Eh, j'aime ça. J'ai ri jusqu'à. Le gars là est sérieux. Hein? Il n'est même pas en train de blaguer. Regardez. Ça, c'est mon président. Donald Trump. Ils ont essayé de le killer n'importe comment. Ça ne donne pas. Il a dit quoi là? Parce que souvent, c'est en anglais. Et moi, je ne comprends même pas. J'ai seulement mis God bless America. Mm-hmm. C'est tout. Je ne discute pas avec quelqu'un. C'est mon président. Il aime moi jusqu'à. Attends, je vais chercher le truc là. Le gars arrive, non? Il arrive à la transaction. Parce que le gars a rendu son mungugla très sur le Joël là. Il a la livraison de mungugla. Comme les trafiquants là, quand ils viennent remettre sur la marchandise. L'angaï là, très chaude, c'est elle qui produit. Maman, la productive de mungugla est belle jusqu'à 12 mungugla. 12 mungugla. Tu es sûr? Mon fric, tu l'as? Aïe, aïe, aïe. En ce moment, mon fric, tu l'as? Les têtes se parlent. Maman, le film, hein? Il compte les mains de cœur. Envoyez les cœurs pour lui. Allez, les sacs se passent. C'est fini. Amos. Parler de quoi? Le gars est inspiré. Le gars vient, combien de mungue? Elle dit que 12 mungue. Il dit, vous êtes sûr? Elle dit, mon flic, tu l'as? Transaction, mon ami, les gens sont avec les lunettes, ils se guettent comme ça. Ton dolé. On dit qu'il a chanté le bâton de manioc, comment, machin, chouette. Mais il a aussi chanté le mibon, non? Mibon, oui, mani, ben, c'est la même chose. Pourquoi vous trouvez que bâton de manioc, c'est un problème? C'est les 12 mungue là qu'on discute sur ça parce que. Moi, j'ai les bobolos qui n'ont pas 12 mengok, ça dépasse. Il y a les bobolos avec 18 mengok, 17 mengok. Il y a les bobolos avec des mengs. Parce qu'un mengok là, dans même temps, un peut compter pour deux dans certains bobolos. Il faut voir tout ça. Donc, la largeur, tout dépend de l'épaisseur, de la hauteur du mengok et de l'épaisseur du bâton. Voilà. Pour que ça soit 12 bien comptant, pour un bâton bien damé. D'un bâton, ou une jeune du bâton, ou tu l'as, voilà. Le gars, c'est un gars inspiré. Vous voulez quoi? Oh, comment il peut chanter le bâton. Il a chanté le mingbong ici, vous n'avez pas dansé. Il s'est dit donc. Les gars sont inspirés, les gars restent au quartier. Il a vu que le dérivé du mingbong, c'est le bâton. Donc, sortons pour le bâton. Dérivé du mingbong. Où est-ce? D'accord. Voilà, on va regarder s'il y a les commentaires, machin. Voilà. Quel autre Japap? Kamta, tu es où? Kamta, tu es parti? Bon, c'est Kamta, tu n'es plus là. Moi, je vais commencer à... Il n'y a pas d'autre Japap. Moi, je vais commencer à quitter. Je venais parler à la petite fille pour ses huiles Shaddai. En plus, elle prend le nom du Seigneur. Elle maintenant ses conneries. Franchement, il ne faut pas exagérer. Son huile s'appelle Shaddai. Franchement, le nom de... Non. Un nom spirituel comme ça. Elle joue avec. Elle dit que ça gonfle. Dans ce cas-là, les botox. Vous voyez? Les botox que tu aimes pour que les lèvres soient lipunes. Là. Ou tu es là, tu es seul, non, chaud, tu es moi. Voilà. Avoir lèvres lipunes. Voilà, c'est ça. Elle manque. Ça veut dire qu'elle doit commencer sur ses lèvres. Juste les lèvres, là. Nous, on veut voir. On ne veut pas. Parce que ici, là, parfois, les gens sont formés, qu'ils ont déjà les formes. Ils viennent maintenant prendre lui, que j'ai frotté, là. Ah, n'importe quoi. On ne te connaissait pas avant. On ne te connaissait pas. Mieux, tu mets sur tes lèvres, là. Nous, on voit tes lèvres, non. Mets sur tes lèvres. Mets sur tes lèvres. 2 semaines. Nous, on veut voir. Voilà. Elle est fatiguée. En tout cas. C'est un peu ça. Quand vous n'avez rien d'autre à dire, moi je vais partir. Le bâton de manioc a ses 12 mungues. Il a ses 12 mungues. Le bâton de manioc a ses 12 mungues. Il a ses 12 mungues. Mimbomi, manibé. Avant, avion, avant, un doigt. Même chose. Il n'a pas quitté. C'est la même chose. Vous voulez quoi? Chantez que le gars là, mais il peut faire ça le plus du bâton au menthe. Ah. Faites attention au machin. Donc, je vous aime beaucoup. Je pense que je vais vous donner 5 minutes de questions, puis j'allais faire mon souper. Parce qu'il faut que je dorme tôt demain, j'ai une grosse journée là. C'est un peu ça.
Merci des partages. Je vais voir le nombre de partages qu'on a fait en attendant vos questions, s'il y en a. S'il y a des questions, hein, sinon moi, voilà, je suis free, voilà. S'il y a des questions, vous posez des questions, sinon, just bad. 12 partages. Signalez jusqu'au zoo, vous faites 12 partages. Ouh, oh, la honte des Facebook. Jusqu'au zoo. C'est-à-dire que c'est le Jacques. On ne veut même pas que je sorte ma tête. Au Jacques, jusqu'au zoo, je suis signalée. Vous faites 12 partages. Vraiment, on souffre. Vraiment. On signalait grave. Je baille comme ça. Et j'ai dormi tôt. Hein. Je ne vous demande pas de dormir tôt. Dès que finit les frites, là, je fais ça en pommes sautées. Les gens sautées. Genre, tu fais cuire les pommes vite fait avec un peu d'épices, un peu de. Tu sais. Et puis, tu fais sauter dans l'huile. Ça fait des morceaux. Et je fais ça au lieu de faire en frites. En frites, ça boit beaucoup d'huile. L'huile n'est pas bon. Hein. Parfois, tu cuis comme ça. Tu mets dans le air fryer. Tu cuis. Et maintenant, tu sèches ça dans le air fryer. Ça fait plus santé. Et c'est ce que je vais faire. Tu badigeonnes un peu de beurre. C'est bon. Donc, tu concasses des pommes. Tu mets l'eau à bouillir. Parce que quand tu veux garder les éléments nutritifs des pommes, si tu veux les bouillir pour les sauter et que tu as déjà épluché et tout en robe de champ, tu fais bouillir de l'eau avec tes épices que tu veux, bien salées et tout. Tu déposes tes pommes dedans. Je vais pousser, non, ça démange. Tu déposes tes pommes dedans et puis tu laisses cuire. Après, tu vas passer au air fryer. Air fryer le fait seulement dorer, quoi. Tu mets en mode boile. Ça va dorer comme croustillant. Tu veux pas l'huile. Parce que l'huile, moi, je peux pas mettre trop d'huile, hein, moi, franchement. Des cabananas. N'importe quoi. Du bâton de manioc à ses 12 mangouk. Là, c'est 12. Maman, j'ai dit que c'est vraiment pas fond. Tu n'as pas vu Otam. Oui, c'est Otam, mais chaud comme ça. Il a embrassé une gadale sur la piste. Tu as vu ça? Comme ça, tu. Oui, c'est Otam. Mignon comme ça. Il a. Dès que tout le monde a jeté Tinti. La fille, il n'a pas le monde sur le balcon. Hein. Elle a les petits. Elle n'est pas comme Tinti avec tout le monde sur le balcon. Là, non. J'ai dit qu'elle est comme Tachou. Toi, tu parles de Papa Fondia. Papa Fondia, on a confirmé. C'est Wesso Otam, alors que c'est la magie. Le gars fait bisous à la fille. La fille, sur la piste. Maman, l'amour est mou. Tu as vu que j'ai partagé. Maman, je suis prête jusqu'à. J'ai partagé. C'est ça qui me signale. Et puis quoi? Vous savez, ça fait quoi? Il n'y a rien que j'ai perdu. Votre signalement me fait perdre rien. Ça ne me fait perdre rien. Parce qu'il n'y a rien même d'abord qui sort là-bas. Comprenez ça? Et je fonctionne. D'accord? Ah là, c'est ça qui est bien. Les bâtons de Mayotte, à ces 12 mingues. Et là, nous tous, on paie. Parce que vous êtes chez Yupougon. Yupougon a divisé votre argent par 3. Et vous donne ça en monnaie de singe. Facebook paye le 21, 22, 23, 24. D'accord? Vous donnez votre argent le 5, le 6, le 7. Vos étoiles, on vous ment. On a payé, on vous dit que c'est pas ça. Vous posez un pour le compte, là, se dépose. Oui, oui. Parce que le email, c'est eux qui gèrent. Tout, c'est eux qui gèrent. Ils ont pris votre compte d'assaut. Donc, mieux, c'est moi. Nous tous sommes pères. Mais moi, je touche ce que vous touchez pareil. Quand il y a signalé, et là, les bâtons de Mayotte, à ces 12 mingues. Et là, ces 12 mingues. Les bâtons de Mayotte, à ces 12 mingues. Et là, ces 12 mingues. Ma glory chou. Comment tu vas, ma beauté? Dimanche, c'est mon libérité. Mon libérité, c'est dimanche, ma glory chou. Tu seras mon libérité, hein? Mon libérité, c'est dimanche. Mon libérité. 53 balais. Bien connu. C'est pas les choses qu'on parle. Fier dans sa peau. Dans ses pieds, vous parlez de quoi? Quand tu sais beau. D'accord? Voilà. Vous ne pouvez pas. Acceptez seulement. Avouez-vous vaincu. Oui, ma glory chou, je t'attends, ma chérie. On va faire un petit brunch tranquille. Hein, bon. Tranquille, c'est le contrôle. Tranquille. Très, très, voilà. Très sélect, très fermé. C'est un peu ça. Mélange micro. Massistou, Massistou, je te vois, Massistou, Massistou, tu vas aller dormir, Massistou. Massistou, comment tu vas, Massistou? Massistou. Massistou, Massistou, comment tu vas, Massistou? La journée, c'était comment, Massistou? Ngoya a 43 ans. Oui, elle a 43 ans. Elle a fait 45 dernièrement.
Et là, à la soirée, les mouches vont chercher l'argent pour lui acheter la voiture, pour nous faire le bim. Nous, on est là pour on choisit. Nous, ici, comme t'as chaud, tu te lèves. Tu doumes chez Tesla. Tu dis que c'est où? Tu signes seulement. Tu doumes chez Mercedes, tu signes. On te dit que tu vas payer chaque mois 1000 dollars. Chaque mois, tu déposes 1000. Tu ouvres dans ta Mercedes. La vie, c'est un choix. Maintenant, c'est moi qui dis que non. Ça ne me tente pas. Mais si ça me tente, tu m'énerves trop. Je ne vais pas signer. Je sois avec eux. Voilà. Vous voyez, non? La vie, c'est un choix ici. Là. C'est ça qui est bien avec nous. Donc, au lieu de mettre sur la voiture, moi, je mets ailleurs. Mais je peux tout me fâcher. Je dis que bon, maintenant, je mets sur la voiture. Je vais me faire quoi? Vraiment? Ils ont dit qu'ils vont nous chicoter comme ça, qu'ils vont faire le bim. Je dis ok. La fois passée à l'anniversaire de ses 40 ans. Ses 40 ans là, elle avait acheté une 4x4 vieille comme ça, les roues. Maman Anna Grenga était debout à côté pour qu'on inaugure. Maman, les roues étaient pourries, la boue qui était sur les roues. Même payer, même les nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a les roues, tu vois un peu dans le char de roues. C'est-à-dire que tu vois une nouvelle roue, un genre. Maman, la jante, on peut dire qu'elle est usée jusqu'à. Même la roue qui a fait Yaoundé, et comment dire, doit la barater là. Passant par toute la mauvaise route qui a comme ça, voilà. C'est pas usé comme ça. Donc, John Motron, Dieu. Oh, mais si mes fans, vous avez maman, mes fans. On a besoin de faire le bruit. Tu connais combien de personnes nous mettent en rue? Va mon liberté. Si elle me fâche, qu'elle va vous dire ce que je vais vous dire. Je vais bien dire et fonctionne. Mes fans sont là, oh, tout le monde a ses fans. Tout le monde aime. C'est qu'il y a tout le monde a des gens qui l'aiment. C'est comme ça la vie. Oh, parler de quoi? Ma vu les voitures là, elles prêtent ça le lendemain, elles partent remettre. Beaucoup font ça pour leur anniversaire. Maman, j'ai dit que la voiture là, non. Hey! Je suis choco. Non, ma sissou, je sors du taf. Et j'ai mis, je me suis habillée en noir. La petite fille là. C'est tout la belle petite fille là, elle part. On dit que sa mère est au Canada. Oui, Ayoba, elle a 38 ans, 39 ans, même pas. 38 ans. Elle a eu sa fille à 17 ans, sa fille avait 21 ans. Addition, assiste ou 38 ans. L'enfant a accouché l'enfant. Imagine. Roméo, tu ris quoi? Non, ne ris pas. Non, c'est triste, oui, c'est triste, Sébastien. Qui s'exposait trop? La petite fille, non, je pense pas. Comme les jeunes de son âge, pourquoi? Moi, je pense pas. Je peux pas l'accuser pour sa mort, là. Elle est responsable de rien. Ce qui va arriver, arrive. Acceptons. Vivons en côtoyant la mort. Et disons-nous que du jour, là, un jour, on va partir. Quand on va dire accepter ça, ça veut dire qu'on a appris une longueur d'avance sur cette vie. Parce qu'un matin, on ne sera plus là. Maintenant, c'est où tu pars. Beaucoup ne croient pas. Ils vont dire que bon, moi, je suis pas sûr. Personne n'est allé revenir nous dire qu'il y a ce Dieu-là. Bon. Et si tu arrives et qu'il était vraiment là et que tu n'as rien fait, tu vas dire bye bye à ceux qui ont fait. Si maintenant tu as eu rien, tu as dit ils nous ont épuisés, ils ont perdu le temps. Et puis quoi encore? Parce que même le temps là, tu le mets quelque part. Tu pries, tu crois, tu nourris, tu achètes ton esprit. Pendant que tu vis, tu es à l'aise. Le père Kamer, oh non! Oui, il y a trop de lacs au Québec. Au Québec. Des lacs, oui. C'est une région de beaucoup de lacs. Beaucoup de rivières, j'appelle ça les lacs, oui. Les grands lacs, oui. Il y a beaucoup d'eau au Québec. Eh, son père, Kamer, oh là là. Même s'il était même chinois. Même s'il était adopté, c'est peu importe. Moi, c'est sa mère qui m'a fendu le cœur. Je prie que Dieu la visite. Je prie que le Saint-Esprit élit domicile dans son cœur. Je prie que les anges... I don't know, parce que cette mère-là, je sais pas, c'est beaucoup, je sais pas comment on fait quand on est comme ça, je sais même pas. Il y a un autre enfant à Gatineau, un petit Congolais. On dit qu'il allait, la voisine lui a versé l'eau chaude. La voisine dit que les enfants venaient toujours cogner sa porte tout le temps. Et la dérangeait, le genre de voisine que... chaque fois qu'elle est chez elle, on vient cogner. Tu connais les ados, les enfants, les aiment déranger, ils cognent la porte avant. Bon, ici, ils ne lancent pas les cailloux, mais au pays, l'enfant lance le caillou, l'enfant fait ceci, cela. Maman, elle a pris elle l'eau chaude. Hein, le père avait nié la grossesse. Ah, c'est ça. Je dis qu'elle a pris l'eau chaude. La versée sur l'enfant. L'enfant est brûlé, troisième degré. Je dis qu'un enfant de 10 ans, petit garçon. À Gatineau, un petit Congolais encore. Hey, le Congo, c'est un si maman. Hey, Yako.
Nzambe na mokole. Eh, zambe na ngai. Oh là là, zambe na mokole. Zambe na ngai. Zambe na mokole. Zambe na ngai. Ereine zambe na ngai. Zambe na ngai. Zambe na mokole. Zambe na ngai. Zambe na ngai. Les camèmes vont chercher le maman, les camèmes alors prend les choses et fait pour eux avec. Voilà la veille. Ils vont faire le deuil. Parce que c'est notre enfant. C'est notre sang. Parce que les Congolais, tu ne vois pas la lingala. Quand ça se passe, même tu vois les vidéos, même sur TikTok, tu ne comprends pas ce qu'elle entre. Tu sens seulement qu'elle est solo. Ça dit qu'il y a la douleur, c'est ça. Nous au Cameroun, là, aïe, c'est qu'on a fait les directs. Nous on est fort, nous on parle. Nous c'est la radio, mon frère. Camerounais. Faut laisser. Pour nous, on a fini avec mon frère. C'est une affaire qu'on blague. Donc, je vous disais, mes fans, ma page est signalée, s'il vous plaît. Les personnes qui suivent en différé, partagez le direct. Je ne fais pas le clash, je donne leur juste et la vérité. Je n'ai jamais clashé de ma vie. Je ne mens pas. Ce que je dis, c'est la vérité. Tu me cherches, tu me trouves. Je ne dis pas que je me concentre, si je ne réponds pas. Moi, je réponds. Je réponds à qui me cherche. Kamta Chou qui la connaît. Moi, elle ne porte pas les gants. Si je n'ai pas répondu, je n'ai pas eu le temps. Je vous ai demandé, comme toi, tu j'ai posé les questions, tu ne m'as pas amené les sujets. Moi, elle est partie. Moi, elle fait les pommes. Elle fait les pommes sous terre, mon chéri. J'aime les Congolais parce que tout reste chez eux avec leur lingala. Oui, oui, eux là, la femme là a parlé. Oh, à la rivière là-bas, la femme là a parlé. La maman aussi a parlé. Aïe, 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 aïe. Quand tu entends, tu te vois que, oh, Zambé, tu dis que pardon. Mon Dieu, c'est chaud. Comme ça. Donc, voilà. Au moins, ils ont signalé, ils m'ont laissé quand même faire les directs. Donc, je peux faire les directs. Maintenant, je ne sais pas jusqu'à quand. Donc, tant pis. C'est pas grave. Parce qu'il n'y avait même pas grand-chose. Je vous ai déjà le secret. La maman a eu le visa. Peut-être qu'elle en avait déjà, non. Puisque je pense qu'elle est venue accompagner sa fille. Peut-être qu'elle vient souvent. Je ne sais pas. Elle peut mettre canadienne. Je ne sais pas. I don't know. Ou bien par une résidence. I don't know. Les gens ont tellement de choses. On dit qu'elle est là. Elle est là. C'est ce que je viens de lire en commentaire. En tout cas. Comme t'as tout dans le placataï encore quoi. J'ai vu que la Black Beauty. Ma yame soeur. Ça, c'est pas les yams de Facebook, hein. C'est ma soeur. Voilà. Black Beauty a dit que zéro paix. Catherine Chou, c'est sa fille. Chacun choisit son enfant sur Facebook. Catherine Chou, c'est sa fille, a dit que zéro paix. La maman n'a pas fait de visa. Elle est revenue comment? On dit qu'elle est là. Oui, si elle vient là, elle ne peut pas faire le visa car l'enfant a disparu. Ça dit qu'elle avait un visa multiple entrée. C'est comme ça que ça marche souvent. Peut-être venir accompagner sa fille, revenir, repartir tout le temps. Donc, je crois que c'est ça. Si tout le père est de 100 minimum, et le petit garçon avait 10 et demi et l'eau chaude du deuxième degré. Ah oui, toi tu parlais de l'eau chaude. Ah, je crois que c'était la petite fille ici. Ok. Ouais, ok. Ah, c'est le petit garçon. Maman, ça là. 10 ans, l'eau chaude, deuxième degré, du coup l'eau chaude. Mais elle a calculé que les enfants qui cognent à celui qui va cogner vers l'univers. Mais elle aussi, elle est sadique. La femme, elle va seulement partir en prison. Donc. C'est quoi son problème? Elle ne croit pas que les enfants sont turbulents. Elle ne croit pas les enfants. Elle n'a pas les enfants. Elle a dérangé. Elle a été recommandée visa en arrivant. Ah, il y a aussi des cas comme ça. Ok. Ça veut dire qu'en fait, à l'entrée, on lui donne parce que son enfant est perdu. Oui, je pense que... Ouais. Je ne savais pas. Je viens d'apprendre ça. Je ne me suis pas rassée. Comme on dit que c'est sur TikTok, je n'ai pas le temps d'aller promener là-bas. Depuis la semaine, pas sur TikTok. Je vais dormir tôt aujourd'hui. Je vais me couler un bain là. Dès que je suis de faire les pompes, c'est rapide. Je fais les pompes, sauter vite fait là et puis je me coule un bain. Bonjour ma belle, c'est 37. J'ai une fille de mourir comme ça. Tu parles. La blague Beauty est devenue. Lui, elle peut être une mère, c'est une mafou. Elle a un bon cœur. Ma soeur, hein, comme ça, tu ne te manques pas, elle n'a pas mauvais cœur, Black Beauty. C'est juste que, bon, à la recherche de la notoriété, elle essaie d'utiliser tous les moyens qu'elle a. Ça énerve certaines personnes. Moi, ça ne me dérange même pas. Elle n'a pas un mauvais cœur. C'est une fille elle est très serviable, très disée. Elle a beaucoup aidé Tinti Pantalon. Elle est reine mère, elle peut même s'appeler même reine mère. Chez eux, même, je crois qu'elle peut même être une mafou. Parce qu'elle a le cœur, là, elle est vraiment. Elle a bon cœur, je ne peux pas te mentir, c'est la vérité. Elle est comme ça, elle n'est pas méchante. Franchement, moi, je ne peux pas m'asseoir et dire des choses. Non, non, non.
C'est pas parce qu'elle venait Anna Venga et Ngoï que je vais dire que non. Oui, elle n'a pas d'aura, ça je suis d'accord. Parce que c'est pas tout le monde qui l'ont. Regarde le croqueuse de cailloux. Elle a qu'à faire le direct pour faire la publicité. C'est moche jusqu'à mieux prendre les services des filles qui font les publicités. Qui va leur parler d'un produit qui gonfle, qui a l'air vraiment invraisemblable. Qui va prendre ça? Donc elle a embrouillé là-bas. C'était Shaddai, Shaddai, mes produits, Shaddai, je me croyais, je me comme ça. C'est saoulant. C'est pas tout le monde qui a l'aura, ça je suis d'accord. Parce que, gardez captif même son audimat. Regardez, oh, je suis signalé, j'ai 86 personnes, on est là depuis. Je fais que je ne peux pas, vous ne partez même pas. Elle s'appelle la fille de ma Anna parce que sa mère, c'est maman Anne. Voilà, vous comprenez, non? C'est la bombe de sa mère, c'est pour ça. Parce que même là-bas, on l'appelle la fille de ma Anna au pays. Voilà. Mais c'est pas une... Non, elle n'est pas méchante. C'est pas parce que c'est ma soeur. Non, 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 non. Elle n'est pas... Elle n'a pas un mauvais cœur. Elle a même le cœur. Elle est disponible. C'est le genre de personne disponible. Et tu peux compter sur elle. Voilà. Sauf qu'à la recherche de la notoriété, il y a un peu eu des... Voilà. Sauf que ça n'a même pas donné comme on pense. J'ai dit que maintenant, comme ta chouchou, c'est monétisation divisée par 10. Il faut qu'elle dise. C'est pour ça qu'on ne voit plus tchit en train de vendre le piment. Vous avez vu les étoiles? On dit qu'elle a fait passer Calibri. Il y avait combien d'étoiles? Comme ta chouchou, donne-moi le commosa. Moi, elle n'est pas regardée parce qu'elle m'a bloqué. Comme ta chouchou m'a bloqué depuis. Il y a combien d'étoiles chez Calibri qui est passé? 100 000 étoiles? Mon œil. Dis-moi vite, comme ta chouchou, tu étais là-bas. Toi, tu ne peux pas commosa. Il y avait combien d'étoiles? 100 000. Et puis dans les hôtels, il y a le tcha. Même Ngoï qui est venu se rattacher à elle pour voir si elle pouvait avoir les étoiles, n'a jamais fait 100 000 étoiles. Jamais. Et puis quand on paye, ce n'est pas le prix là. Les filles là, c'est un bandit. Les fausses étoiles, l'argent, tu vois l'argent, tu vois bien que tu as. Tu fais un direct, non. Tu vois que tu as reçu 10 000 étoiles. 10 000 étoiles, ça veut dire 100 dollars. Tu finis le journey à la fin du mois, on ne te paye pas ça. Ça veut dire que c'était le tcha. Regarde les choses là. Aïe, Seigneur, Facebook, j'aime trop Facebook. Eh, Dieu. Maman, je travaille, je gagne mon pain à ce moment, il ne faut pas excuser ma vie. Donc, c'est ça. Je vous aime bien. Donc, c'est ça. Comme ça, tu n'avais pas le Congo, ça, pour moi, aujourd'hui, moi, je m'en vais. Oui, elle a pleuré chez Cash Money que elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Sa NASA est où? Chin-chin. Le chat. Comme t'as tu mettons-le à défi. Prochaine émission de Zombie TV. Que la NASA mette 100 000 dollars. Elle n'a jamais touché l'argent de 100 000. 100 000 dollars veut 10 000 dollars. US. Elle n'a jamais eu ça. D'abord, le gars de Yopougon Chat, d'abord, pour lui. Il divise par 3, 30, 30, 30. 30 pour les impôts, 30 pour Tintin, 30 pour lui-même. C'est pour ça que ça se divise. Ah, oh, on est au courant. Enfin, c'était sur 5 ans. Bête comme elles sont. La motivation n'a pas 3 ans. C'est 3 ans, non? Voilà. C'est sur 5 ans, encore 2. Elles sont prises. Créez alors les autres pas. Vous êtes des grandes stars de renommée. Vous vous connectez avec 2000 personnes. Tu crées une page. En une journée, tu as tes 10 000, 20 000, 30 000. Rien. Ça bouge alors. Hein. Pourquoi quelqu'un clique même encore et met sur vos choses là, c'est compliqué. Bon, hein. Laisse-moi piétiner comme ça. Je veux qu'une vraie, là, le bracatala me montre son 1 million d'abonnés. Sinon, hein, c'est les pépés. Elles sont rien. Elles sont comme moi même si. La paix. Donc, je vous aime beaucoup. Hein. Chassez vos pardon. Paix à l'âme de la petite Alexandra. Maman produit Shaddai là. T'es, comment on appelle ça? Ta scie d'abeille là, et je ne sais pas trop bien quoi que tu pétris dans le pot, ça ressemble aux huiles de palme qu'on a chauffées, puis je ne sais pas quoi qu'on a mis là. Franchement, il faut nous excuser, hein, ma fille. Tu déranges. Tu déranges en vrai. Comme t'as tchou, bye. Et pas le Congo, ça. Je vous aime.